Bonjour à tous, c'est Gabin et Lily. On espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on fait le jour? Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait, maman? Non, parce que les gars, là c'est n'importe quoi. Il y a eu des problèmes avec les cartes SD, avec tout ça. On va tout vous expliquer parce que oui, il nous manque une petite partie de la vidéo. Une bonne partie de la vidéo, surtout l'introduction où vous expliquez en fait tout le concept de cette vidéo qui est juste incroyable. On va tout vous expliquer tout de suite. Du coup, les amis, aujourd'hui en fait, on va faire un fluid art Halloween et c'était génial. Là, du coup, on n'est pas bien en Halloween, mais on était habillés en Halloween. Exactement, donc les amis, la vidéo va reprendre pile au moment où en gros on va être déjà en train de customiser nos toiles. Moi pour ma part c'est très simple, j'étais en train de faire avec le noir. Parce que oui, on a pris toutes les couleurs d'Halloween. Donc le noir pour tout ce qui est un peu araignée, le violet pour tout ce qui est un peu sorcière, un petit peu magie, tout ça. Le orange, les citrouilles, le vert, la petite queue des citrouilles. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je sais plus. En fait les amis, on a toutes les couleurs d'Halloween. Le rouge pour le sang d'Halloween. Ah oui c'est vrai, mais moi du coup en fait moi j'ai pas du tout fait comme Gabin parce qu'en fait du coup on n'avait pas la même taille de... Exactement, on n'avait pas les mêmes toiles. Et donc du coup on a dû faire un Shifumi. On a fait le Shifumi, Lily a perdu, j'ai choisi la toile carrée, Lily la toile rectangulaire. Et en fait, j'ai commencé par... j'ai pris toutes les couleurs, j'ai balancé comme ça et voilà. De toute façon, vous allez bien voir parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez la vidéo, ça y est, il n'y a plus aucun problème. Donc ça va vous faire une transition un petit peu particulière parce que là, on passe de Rick et Morty, c'est Hello Kitty à des déguisements d'Halloween quoi. Donc écoutez les amis, on espère que ça va pas être trop compliqué pour vous la transition. On espère que ça va vous plaire aussi. On espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage, bisous. Bon alors les amis, en fait on a traversé une petite phase compliquée. Je sais pas si vous avez les explications. Je sais pas si vous avez eu moi au début quand j'ai versé ma peinture. Je vous ai dit, là j'ai pris le noir pour faire une forme d'araignée. Je vais rajouter un peu de peinture. Après je vais prendre l'orange pour faire une citrouille. Après je vais prendre le vert pour faire la petite queue de la citrouille. Et après, le marron pour faire la terre. Et du sang pour faire la terre des cimetières, on va dire. Et le violet pour le chapeau de la sorcière. Et le rouge pour le sang. Ok, maman, viens voir. Attends, viens voir. Du coup, moi, là, j'ai mis un petit peu au pif. Là, du coup, je vais mettre un petit peu de vert au milieu. Et en fait, je vais mettre, après, genre, je vais mettre du rouge et du violet un petit peu au centre. Et sur les côtés, je vais mettre du vert foncé et peut-être un petit peu de marron pour voir, pour que ça fasse un espèce de petit dégradé. Et du coup, les amis, ce sera à vous de voter sur Instagram. Exactement, Lily a tout résumé. Donc écoutez, regardez, ça c'est ma citrouille de ouf avec, bien évidemment, ne pas négliger la petite queue de la citrouille là. Hop. Waouh. C'est incroyable. Là. Carrément que même. Les paillettes. Elles sont parties où les paillettes? Dans l'eau là. Non. T'as mis dans un bac d'eau, là. J'ai shooté dans les paillettes. Les paillettes. Du coup, il est cassé le pot. Bon, il a trois fissures, mais vas-y. Non, mais on peut quand même en mettre. Bon, ne vous inquiétez pas, on continue quand même la vidéo. Paillettes, pas paillettes. Moi, je fais mon chapeau là. Il fait peur un peu. Quand c'est stylé, hein. Hop. Je vous avais dit quoi? Le rouge. Lily qui l'a pris. Et donc là le rouge. Surtout fait. Moi j'en ai mis sur la robe. T'en es où toi Lily là? Je comprends pas trop. Je sais pas trop. Ah d'accord. Moi les amis, c'est très simple et efficace, ça va être juste. Hop. Là il y a eu un crime là aussi. Voilà, comme ça moi je fais. Vous savez quoi, je vais refaire une araignée par-dessus. Comme ça je pense qu'après ça va faire comme un espèce de cadre. L'araignée. Tout mis comme ça là, tout écarté, je pense à faire un cadre. Regardez. Moi je dis, mais regardez-moi pas derrière hein. Hop, oh hop, 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 hop. Attends, regarde. Là. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, oh, rip les choses. Qu'est-ce qu'elle attends, on va les enlever Lily hein. Mes chaussures. Elle a fait quoi là? Mes chaussures. Bon alors, succession de problèmes. Donc Lily qui sait pas faire une vidéo sans se cradosser ou faire. Regardez, j'ai encore de la peinture là, du coup c'est trop stylé. Et plus de chaussures. Oui, non, j'ai plus de chaussures. Bon bah les chaussettes n'iront même pas au sale, iront directement à la poubelle. C'est pas là, plus. Bon, vous remarquez normalement qu'il y a beaucoup de peinture, mais pour que ça recouvre toute la toile, faut en mettre encore plus. Là, je vais juste faire au niveau des blancs des petits rappels en mode regardez. Là, j'arrive, je fais juste un petit rond là ici là. Hop, avec du rouge. Là ici, hop, beaucoup. Toujours collé au. J'ai une technique, je sais pas.
collé à l'orange, on rajoute encore beaucoup de vert. Non, moi je veux du orange. Violet, on va rappeler le violet juste ici. Moi l'orange, on va rappeler l'orange juste là. Et après ? J'en veux là. Hop, ici. Je crois les gars, j'ai tout rappelé. À part le noir, non, j'ai oublié le noir. Le noir, on va faire des petits points un peu de partout. De rouge encore. Bon, bah écoutez. Oh là là. Je crois que mon œuvre d'art est terminée. Et une fois que Lily aura fini de vider les pots à côté de la toile, et ben on sera parti pour... Attends, moi je peux mettre des paillettes. J'ai mis des paillettes, elles sont parties. Mais pourquoi? Verse les plus bas tes paillettes. Ah mais incroyable. Mais oui, je vais mettre plein de paillettes moi aussi. Bon, attention, réalisez surtout ça chez vous parce que c'est surtout pas réalisé par un expert. Donc, ah, est-ce que vous l'avez au moins bien dans le cadre, histoire que ça soit bien beau? Oui, c'est bon. Parfait. 1, 2... Il manque beaucoup de peinture. Beaucoup de vert, je trouve. Il n'y a plus de vert. Il est parti où mon vert? Rajoute-en pendant que ça tourne. Remets-en voilà, dans les coins. C'est super beau, je trouve. Ouais. J'ai pas fait tout le décor, mais bon, au moins. Ça, c'est moi, au milieu, c'est en train de s'éparpiller en fait. Attendez. Ton verre, il est un peu distant. Regardez, regardez là. Ça s'est tellement éparpillé qu'il en manque. Du coup. Ah ouais, mais comment ça se fait? Ça fait un trou dans la toile. Tellement je suis puissant en fait avec mes lancers. C'est beau. Trop beau. Ça nique tout, mon vieux verre là. Donc, voici, voilà ma toile. C'est une petite gerbouille. Ok. À vous d'interpréter ça comme vous voulez. Et puis, bah, écoutez, c'est à mon tour. Classe à ma... Oula. À ma soeur. 3, 2, 1. Petit lancé. C'est éclaté, mon lance. Tu veux que la se tourner? Non, attends. Oh là là, c'est pourri. Fais la tourner, C'est joli, hein. Ah, mais je marche. C'est joli, hein. Regardez, j'ai carrément marché dans la... Moi aussi, mais moi, ça se voit pas. C'est deux styles complètement différents. Bah, ça brille, quoi. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour ma toile. Je trouve que j'ai un peu mieux respecté le thème d'Halloween. À vous de nous dire en commentaire sur Instagram, on vous fera un petit sondage en story. Notre compte c'est gabinlili.yt, il s'affichera à l'écran. On espère que cette magnifique vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous proposer. Donc on va vous les montrer quand même comme ça. Hop. Voici nos œuvres d'art. Donc bah écoutez, voilà. Qu'est-ce qu'il crie là-bas? Est-ce que ton problème? Les amis, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, surtout à vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.